pépère. Oh, tu m'attends, hein, t'es là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez, on y va, les amis. Hein. La salle est pleine, les clients sont ravis, on est les champions. Vous restez là tout le service, vos amis? C'est mes amis, il n'y a plus de place en salle, ils mangent ici, c'est mes amis. Hemingway affirme que dans un roman, la partie immergée de l'iceberg prime sur la partie émergée. Putain, les icebergs, il n'y a pas plus fou cul qu'un iceberg. Hein. Au-dessus, c'est beau, ça éblouit, puis en dessous, ça fracasse. T'as pas autre chose à faire, stop, je bosse. Yard Jack, Paul et moi, ça fait 40 ans que ça dure. Et tu sais pourquoi? Parce que vous vous dites tout, je sais. Eh bah ouais. Château item 90 quand même. 1000 euros à la bouteille. Mais t'aurais dû laisser le prix dessus carrément. Et pourquoi pas, ça affiche le niveau. Dire tout, c'est jouer à la longévité. C'est exactement ce que ta mère n'a pas compris. Oh merde, c'est pas vrai, il est bouchonné. Stéphanie ! Parle pas fort, je suis chez moi et j'ai plus l'habitude. Elle a besoin de respirer, de changer d'air, c'est une femme, Walter. Enfin une femme, enfin tu rigoles, non ? Tout le monde change, Walter, tout le monde change. Pour moi. Embrasse-moi. Il a 20 ans. Oui, comme moi. Comme le temps que j'ai encore envie de passer avec toi. Tu vas te flageller toute ta vie parce que ce salopard de Philippe t'a broyé le cœur il y a 30 ans. Et papa, tu lui as dit quoi? T'as jamais réussi à lui en parler? Pour lui dire quoi? Que c'est mon meilleur ami, que ça fait 30 ans que je lui mens. Vous connaissez tous les deux? Oui, c'est une vieille histoire. On continue? Allez. Allez! Que je lui parle? Non, pas maintenant. Ah oui, mais quand? Bah, tu fais traîner, Paul, je sais pas. Hé, hey, les poteaux, une pêche au Lamparo ce soir, ça vous dit? Il va faire un peu froid, non? Ah, c'est l'île d'Or et c'est pas l'île Maurice, hein. Tu ne me comprends pas parce que tu ne m'écoutes pas. Je te dis que ma fille m'a menti, putain. Alors je veux savoir le nom de ce petit con qui se tape ma fille avant son grand tour. Moi, ce que je supporte pas, c'est qu'elle puisse me mentir. J'ai horreur des menteurs. Quand on dit la vérité, tu te sens respecté. Oh, fais attention, toi. Je t'ai dit de la gratter, pas de les décaper, c'est pour les manger, pas pour les peindre. Mais elle t'a rien dit à toi, elle te dit tout d'habitude. Ah non, elle me dit pas tout, elle me dit quand c'est important. Bah là, c'est important. Mais c'est bien ce que je dis, tu vas l'écharper à la première occasion, son kit ami. T'es complètement malade, t'es fou, hein. Comment je fais pour récupérer ce coup-là, moi? T'obliges les autres à te mentir et après tu joues les victimes. C'est comment je me sens, moi? Comme le gros con à qui on cache tout depuis 30 ans. Et comment tu as su? Elle commence à me pomper l'air, cette histoire, voilà, c'est ça. Ouais, et vraiment, hein. T'en as marre, maintenant, hein. Oh, et merde, quoi. Putain, j'ai la scoumoune, moi.